Salut à tous, c'est Fifi. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 2 de GTA. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va essayer d'aborder la piste militaire. Donc là, mince. Vous voyez que, que là, je suis en avion. Alors, ça donne un peu le tournis ou le vertige. Car c'est un peu démentiel. Donc, ouais. Alors, on va atterrir. Wouh! Alors là, je vais atterrir sur. J'aimerais bien trouver la base militaire car je ne la trouve pas. Donc, si vous pouvez me laisser dans les commentaires là où trouver la base militaire dans la. Los Santos, ça serait bien. Car là. Ok. Donc. Parce que là, vraiment, je ne trouve rien. Alors, on va atterrir. Ça donne le tournis par contre, des fois. Tiens. Je regarde aussi un peu la map. Elle est super belle et je regarde là où je pourrais aller. Désolé s'il y a du bruit. Donc on va essayer, on va aller tout en haut. On va. Tu sais quoi, on va se lâcher. On va se lâcher au-dessus au-dessus de la cité. Juste là. Et je suis en train de prendre ça en vidéo, donc ça va être incroyable. Donc vous êtes prêts? Tous. Si je ne me crache pas, on va se lâcher. C'est pas si facile en fait. Ouh! Allez, on va se lâcher. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. C'était bon la vie à ce moment-là. Je vous retrouve quand j'aurai trouvé quelque chose d'autre intéressant. Salut à tous encore. Et là, cette fois, on va faire des assassinats. On va essayer d'avoir plein d'étoiles. Donc, vous voyez ce gars, je crois. Je sais pas, il avait les cheveux. Je vais l'assassiner avec un couteau. Donc, là. Ah bah non, bah. C'est lui que je vais assassiner avec un couteau. Non, c'est elle. Mais, ah, mais. Ils vont arrêter de s'enfuir, les gars. Ah bah, il y en a un, il s'est fait rouler dessus. Elle, par contre, elle a un cercle. Oh. Un cul. Ta-ta-ta-la. Ta-ta-ta. Ah bah non, j'ai une étoile. Maintenant, on va vraiment faire sérieux. Allez, on fait vraiment sérieux là, on y va. On y va, yolo. Hop là. On change d'arme, j'ai dit. Oh, vous avez peur! Oh, vous avez peur! Oh non! Allez!
J'en trouve quand je serai. Bon, bah, c'était une belle bataille.